Et plop les gens, ici Zikino, donc sur la suite de Dungeons 3. J'allais le dire en anglais avec un accent pourri. Donc Dungeons 3, ça va être la mission 12 il me semble. Et bah voici le... Non. Une fin, Doc. C'était quoi le problème du mal avec les bateaux? Pourquoi les détruisait-il toujours au lieu de les conserver pour les utiliser plus tard? Les armées du mal avaient gagné les côtes, avec comme objectif les villes presque franches. Mais bien entendu, elles n'avaient plus de bateaux. Par chance, la ville portuaire d'Hivernay n'était pas bien loin, et il y avait un allié dans le secteur. Ok, donc suivant le titre, ça sera l'allié, ça sera un ogre. On va se mettre en infernal avant d'oublier. Les nouvelles créatures et salles. Arène. Dans l'arène, vos créatures peuvent s'entraîner et gagner des points d'expérience contre de l'or. La horde s'entraîne gratuitement. D'accord. Ah oui, mais la horde, en plus, ils peuvent mourir, donc... attention. Donc, on peut avoir une salle d'entraînement. C'est intéressant. L'ogre, titan de la horde, qui possède énormément d'énergie vitale et inflige beaucoup de dégâts de zone, possède la compétence Armageddon. D'accord. Ensuite, les missions, donc ogre solo, terminer la mission, une fin d'ogre, ok, normal. Coupe soif, posséder plus de 42 tonneaux de bière en même temps dans cette mission, et un ogre qui saigne, c'est bouleversant. L'énergie vitale de l'ogre dans la mission, une fin d'ogre, ne doit pas tomber sous 75%. Ah ouais, 75%. Bref, on lance tout de suite. 75%, va falloir faire gaffe quoi. Peut-être faire une salle de recherche et s'essayer à garder les... À voir s'il y a des recherches sur l'ogre pour qu'il gagne plus de PV, soit qu'il se régène plus. L'armée du mal était une nouvelle fois sur les côtes des royaumes de l'Ouest. De l'autre côté de la mer se dressaient les villes presque franches. Une agglomération d'une richesse indécente. Avant de marcher sur la capitale, il fallait détruire ces villes afin de couvrir ses arrières. Et pour s'y rendre, il fallait un navire. Encore, on en a déjà parlé. Et comme les créatures du mal étaient toujours incapables de fabriquer un machin qui flotte, elles devaient emprunter ces navires aux gens du cru. Non loin se dressait la ville portuaire d'Hivernay, célèbre pour les exploits de ses marins et de ses héros. Malheureusement, Hivernay était fort bien gardé. C'était un lieu de rencontre pour de nombreux héros expérimentés. Pour ne pas dire de très haut niveau. Les créatures du mal n'avaient pas la moindre chance contre eux. Alors que fait-on ici? Ça n'a aucun... La ferme. Toutefois, une puissante créature demeurait non loin. Un ogre. Ses prouesses au combat lui permettraient d'affronter les défenseurs d'Hivernay sans sourciller. Mais avant toute chose, cette créature devait être persuadée de rejoindre les forces du mal. Aucun problème. Je vais lui promettre une raclée s'il ne nous suit pas. Une idée intéressante, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris d'en puissante? Il écrabouillerait sans peine tout ce que nous pourrions envoyer contre lui. Ouais. Bon. Je vais juste aller jeter un coup d'œil. On parle d'abord, on tape ensuite. Promis. Et je viens de me rendre compte que ça va être compliqué. Bref, du coup, détruisez la ville d'Hivernay, trouvez l'ogre. Très bien, ça c'est quoi? C'est la brasserie. Il me faut 42 tonneaux, c'est pas assez grand. Enfin, pour la mission, on va agrandir comme ça. Ça sera assez grand. La cachette de la horde n'est pas assez grande du tout non plus. On va peut-être faire ça. Voilà. Ensuite ici, on va partir un petit peu en exploration. Là aussi. Hop là. Les poulets, c'est rarement assez grand ce qu'ils me font. Hein. Hmm.
si on peut prendre ça. Et pourquoi j'ai dit que cette allait être compliquée? Parce que j'ai changé de clavier. J'ai pas encore fait de d'article dessus. Parce que je pense faire un petit blog au moins. Et bref, les touches directionnelles sont pas accessibles en même temps que la souris. Putain, c'était ZQSD. Ah oui, il suffit de repasser en... non, c'est Alt Maj. Voilà, il fallait juste repasser en QWERTY. Bref, excusez-moi. Alors, ici, 40 de disponibles. Bref, quand ça sera rempli, ça sera assez. Par contre, les autres raccourcis, c'est pas la peine d'espérer que je les trouve. Non. Voilà. Très bien. Une zone d'or. Bon, on va tout faire. Hein. Alors, ici, les poulets. Tac, les recherches. Il n'y a pas l'air d'avoir de recherche pour l'ogre. Si, l'arène. L'arène, c'est différent. Et ça, ça donne quoi? Ça donne énergie vitale plus, ok. Tac, poulet. Bon là, parfait, il n'y a pas de... Il n'y a rien en plus ici. Trésorerie. Moi, ça c'est moins important, c'est juste cette zone. Voilà, alors on redémarre. Non, Iselskaz n'a pas besoin d'être agrandi. Ici. Ici j'hésite. Ah, on peut faire juste ça, peut-être que ça suffira pour avoir les 42 places. Ici c'est trop petit comme réserve d'or. Voilà. Séjour de paix. Ah, efficacité 70%. Oui non mais il faut d'abord qu'ils construisent. Trésorerie. Voilà. Voilà, 42. Donc si tout est rempli, j'ai le succès. Si on va pouvoir mettre quand même dans le couloir. C'est pas un couloir où il y a des gens qui passent. Ok, j'ai pas du tout... Le mâle, plus lent qu'un escargot, n'avait pas fait preuve d'une discrétion folle. Il était évident, même pour le plus sourd des héros, que quelque chose s'était installé dans le sous-monde. Les héros étant ce qu'ils sont, un groupe d'aventuriers se mit en route pour piller les trésors du donjon. Ils nous le paieront. Briser leurs jambes, arracher-leur les poils du nez. Non, recherche. Les nagas. Déjà tout ça. Tac. Oh, j'ai déjà 4 sur 5. Ouais, si je prends une naga, ça devrait aller pour le moment. F2. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Il se trouve où? Ici. Ah,
Voilà. Qui devrait permettre de se défendre. Évidemment, la Naga a dû se mettre en première ligne. Extrait du livre Les ogres pour les nuls. Les ogres sont de gros consommateurs d'alcool. Leur capacité à engloutir de la bière est légendaire. Un jour, deux ogres se sont invités à un concours de boissons et ils avalèrent en une seule journée l'équivalent de la consommation de tout un royaume nain sur un an. Eh ben, on va se prendre une deuxième naga. Sortir. Hop là, on reste ici. S'il y a déjà des aventuriers là, plus ici, ça va être compliqué. Si on n'est pas full vie. Alors, ça veut dire qu'ils veulent beaucoup de bière. Ils sont marrants, de la bière. Oui, je suis en train d'en produire. Plus de puissance. Plus de puissance. Être recruté. Ah, j'ai plus de sous. Voilà. Il est encore là, lui. Je l'avais pas vu. Je voulais juste attendre que la tour elle se détruise. J'ai du coup perdu mes tanks. Enfin, mon tank. Non, pas si loin, là. Qui voulez-vous que je tue ? Là, dès que la Naga est soignée, on attaquera la zone d'après. Parce que là, on n'a pas du tout de recherche. Parlant de recherche, qu'est-ce qu'il faut? Oh, il faut des trucs de recherche pour faire l'arène. Très bien. C'est ce qu'on fera dès qu'on pourra. On a réussi à prendre ça. C'est jour de paix. T'as pas de vie, recule. C'est bon. Ça devrait le faire. Aucune envie de enfin on va pouvoir rester dehors parce que là le chemin apparemment ça a l'air d'être le seul moyen d'accéder au
au sous-monde. L'armée du mal avait découvert l'homme. Et je suis ogre. À l'évidence, cette créature n'allait pas gagner un concours d'intelligence. Moi, coupe soif. Pourtant, c'était vous, crabouillé héros du drôle. Mais moi, un peu soif. Avant moi, commencez, boire un coup. Évidemment, il n'allait pas nous faciliter la tâche. Il allait d'abord falloir livrer une grande quantité de bière à l'ogre pour le convaincre d'aider. En râlant, le mal se mit au travail. Ok, bande de feignasses. Vous avez entendu? On va faire de la bière. Allez, au travail. Je veux que ça sente le houblon et plus l'argile par ici. Il en faut que 10. Ok, bah j'en ai bien stocké. Laissez l'ogre prendre la route et renoncer à une partie de votre bière pour le motiver à poursuivre. Ok, ogre. Vous avez eu votre bière. Maintenant, il est temps... Une seconde. Où est passée la bière? Vous avez déjà tout. Et où est-ce que vous croyez aller? Restez là, il y a une ville à attaquer. Bière, donnez faim à ogre. Ogre, besoin manger apéritif. L'ogre se dirigeait avec avidité vers une petite ferme des environs. On pouvait y entendre des moutons bêler joyeusement. Mais rapidement, les bêlements virèrent à la panique. Ah! Du coup, il ouvre un deuxième passage. Y a pas de souci en soi, hein, mais... Est-ce que les Nagas vont le soigner? Est-ce qu'il va se soigner tout seul? 11186... Les Nagas peuvent le soigner, très bien. Je suis la reine du mal. Alors ça c'est bon. Bon mouton. L'ogre décima le troupeau de moutons au lieu d'attaquer Hivernais. Talia ne parvenait pas à contrôler le monstre au plus grand des plaisirs du mal impatient. Quoi? Cet imbécile se laisse distraire par quelques moutons et ça devient mon problème? Parce que moi, je suis seulement la voix qui donne des conseils, pas le généralissime du mal. Quoi qu'il en soit, il y avait non loin de là une ville qu'on pouvait soumettre au mal. En attendant. Très bien. Occupons-nous de ça. Au boulot! Tordez-leur les bras, mettez de la peinture dans leurs yeux! Ogre! Plein! Oh! Mais combien en avez-vous mangé, espèce de morphale? Un mouton. Ah mince, il va s'endormir. Trois moutons. Quatre. Super. Oh non, mais c'est pas possible. Et voilà qu'il fait une sieste? Incroyable! Mes petits-enfants seront devenus narrateurs à ma place avant qu'ils ne se décident à attaquer la ville. Enfin, les ogres étant des alcooliques notoires, on pouvait espérer qu'une ou deux dizaines de bières pourraient le réveiller. Avec un grognement désespéré, le mal se remit au travail. Ça va, j'ai re-42 de bières. Et une fois de plus, on livra à l'ogre une quantité absurde de bières qu'il avala en quelques secondes. Ok, ça suffira comme ça. Il est temps de se mettre à bouger, mon gros. Il est temps de raser Hivernais. Ok, mais ogre un peu rouillé. Ogre, mince, j'ai une attaque. Chauffement. Peut-être adversaire dans forêt. Adversaire bien pour échauffement. Adversaire de forêt, peut-être aussi brûlé pour réchauffer plus tard. Attendez, où allez-vous? Mais la cité est par... Non, revenez par ici, imbécile! Et c'est ainsi que les armées du mal suivirent l'ogre, loin d'Hivernais. Pas vraiment, mais oui.
morale triomphera. C'est bon, j'ai perdu personne. Ah, super. Vite. Est-ce que... Ah, il m'en manque. Pas beaucoup, pas beaucoup. Non, 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 ça va pas le faire. Allez, t'as tes sorts, toi. Le bien périra. Ah, 8000, c'est pas 9000, hein. 3 quarts de 12000. Je crois que je viens de perdre ce succès. Lui va mourir, au moins. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'aurais peut-être... Ah ouais, il va par là-bas, l'ogre, ok. J'ai plus de... Ah d'accord, j'ai plus rien. Ok. Je veux la tête de Thanos. Y a rien. Non, là, c'est hard bloqué. Ça a l'air de bloquer. Qui voulez-vous que je tue? Oui. Eh ben, ça va être juste suivre l'ogre, le régène, quand il en a marre de taper. On va se faire une salle ici. Et on va tac, se préparer à avoir ça. Pour le moment. D'ailleurs, non, ça c'est très loin aussi. Pour le moment, on peut prendre ça. L'ogre s'élança sans réfléchir et emprunta le chemin de gauche. Le mâle se demanda ce qu'il y avait sur le chemin de droite. Devait-il l'explorer ? Pour sa part, l'ogre fonçait sur sa lancée. Chemin de droite, c'est la ville. Ah, vrais adversaires. Boum, boum, ouïe, et boum pour vous. Pas moi. L'ogre avait découvert un adversaire de valeur pour son échauffement. Le combat débuta. Pas duré longtemps. Mon combat. Mais ogre fatigué maintenant. Petite sieste. Ensuite, rasez-vous. Encore. Encore. Ça ne finira jamais. Alors.
alors que les petits yeux de l'ogre se fermaient et qu'il sombrait joyeusement dans le sommeil, un important groupe d'aventuriers quitta Hivernais. Ils avaient accepté une quête visant à tuer l'ogre. Fichu élément de JDR. Tuer l'ogre? Après tous les efforts qu'on a faits jusqu'ici? Des clous! Caillassez-les! Tapez-les! Faites des nœuds avec leurs lacets! Vous ne passez pas par là. Moi qui voulais venir attaquer ça pendant qu'il dormait. Des clous. Est-ce que je peux faire? Oula, il y a pas mal de monde. Les Naga, allez vous en. Vous coûtez cher. Et vous êtes très utile. Et toi aussi, t'es très utile, punaise. Oh punaise, elles se sont fait attaquer par l'autre côté. Ok, j'ai l'impression que c'est une défaite. Hein. En plus. Ah, si j'ai visé. Pas problème, pas mon sang. Mais si, ça, mon sang. Déjà là, c'est mort. N'avait pas à surveiller l'ogre, lequel expirait dans son coin. Pour la prise d'Hivernais, c'était râpé. Bon, bah, une défaite. Je crois que c'est la première fois en vidéo, voire tout court sur le jeu, que j'en ai une. Après, j'ai déjà fait des recommencer et tout, parce que j'avais pas ma mission. Du coup, recommencer en espérant qu'il garde le... infernal quand même, sauf que cette fois on va prévoir un peu plus de, enfin on va pas se dire dès qu'on peut faire de l'alcool on lui envoie quoi, on va prévoir un peu plus en avance que était une nouvelle fois sur les côtes, oui, par contre royaume de voilà. On a déjà vu tac, avance tout droit toi, créer une zone comme ça. Non, peut-être pas ça. Ça fait beaucoup. Comme ça. Et toi, tu vas prendre tout ça. Ici aussi, on agrandit. Peut-être pas autant. Comme ça, ça devrait aller. Et... voilà. Ici on a grandi et là c'est lequel, c'est celui-ci, on va en faire une vraie salle. Voilà. Très bien. Hop. On va acheter des grouillots. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre en attendant? Pas grand-chose. Va falloir qu'on sorte pour prendre cette zone, attendre un peu. On pourra réveiller l'ogre, mais pas la deuxième fois tant qu'on n'a pas la deuxième île de malfaisance. Mince, un peu vite.
Alors ici, la horde. Tac. On peut peut-être prendre la ligne quand même. Ici c'est la trésorerie. Voilà. Ici aussi de la trésorerie. Voilà. Et plus de sous. Parce qu'au moins les trésoreries, oui. Au moins les trésoreries sont faites. Ici pour les poulets ça va être rigolo aussi. Voilà, c'est bon, tout le monde travaille au maximum. Voilà. Ok, maintenant on peut réfléchir à sortir. Mais on va attendre la première vague d'aventuriers. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On peut explorer un petit peu par là. On peut explorer par là. À droite, on explorera plus tard. Alors ici, il y a une grande zone avec pas mal de... Le mâle plus lent qu'un escargot n'avait pas fait preuve d'une discrétion folle. Il était évident, même pour le plus sourd des héros, que quelque chose s'était installé dans le sous-monde. Les héros étant ce qu'ils sont, un groupe d'aventuriers se mit en route pour piller les trésors du donjon. Ils nous le paieront. Brisez leurs jambes, arrachez-leur les poils du nez. Ça n'a pas été le même côté qui a attaqué la même baraque. Ça. Et on va prendre une naga quand même. Tac, tac. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. C'est jour de paix. J'ai un peu la patte au-dessus du combat. Savez-vous que les ogres aiment beaucoup manger du mouton? Beaucoup de mouton. Genre
beaucoup, 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 beaucoup de moutons. Cet appétit incroyable est du même ordre que leur soif de bière. C'est la même phrase la fois d'avant ? Je pense que oui, parce que le jeu ne m'a pas habitué plus que ça à innover d'une fois sur l'autre. Mais alors, F2. C'est mon groupe 1 et on sort. Normalement, les premiers combats devant chez moi devraient bien se passer. Enfin, j'espère. Ah. Les mages qui soignent, c'est bien, mais que dans mon équipe, quoi. Toi, tu vas te soigner. Ok, alors, ouais, il y en manque un, j'aurais peut-être, voilà, et on prend une naka de plus, voilà, hop, parce que sinon elle va passer des plombes à soigner tout le monde. Je vais même me faire attaquer par une autre, par d'autres aventuriers en attendant, ça va pas être bien. Voilà. Tac tac. Tiens, il y a de la place ici pour le poulet. On va grandir. Je me dis qu'un maître du mal dans son donjon, il a aucune raison d'avoir tout bien carré, toutes les pièces bien carrées, tout ça. Ça prend la forme de la pierre qu'il a pu miner, et puis des fois il a pas pu la miner, donc. Je détruirai cette terre. Ça fait des trous. Ou des boss. Si, un autre truc que je voulais voir, c'était quoi? C'était ça, la crypte? Oui, c'est la crypte que je voulais avoir. Genre cimetière, prison et crypte peuvent être assez intéressantes assez rapidement, avant l'arène. Comme ça, ça va être les mêmes unités orques qui continue de monter de niveau et non pas des nouvelles qu'on doit remonter en niveau, etc. Et évidemment, elle se fait soigner d'un gros coup de magie de zone, de soin de zone. Évidemment, je me fais attaquer en même temps, je le savais. Et j'ai un orc qui vient de crever. La naga qui meurt aussi. Ok, ça me fait un orc et une naga. Normalement, ça devrait être tout. Je détruirai. Juste activer la cinématique en même temps. L'armée du mal.
Baal avait découvert l'ogre. Et je suis ogre. À l'évidence, cette créature n'allait pas gagner un concours d'intelligence. Moi, content, aidez-vous, crabouiller héros. Drôle. Mais moi, un peu soif. Avant moi, commencer, boire un coup. Évidemment, il n'allait pas nous faciliter la tâche. Il allait d'abord falloir livrer une grande quantité de bière à l'ogre pour le convaincre d'aider. En râlant, le mâle se mit au travail. Ok, bande de feignasses. Vous avez entendu? On va faire de la bière. Allez, au travail. Je veux que ça sente le houblon et plus l'argile par ici. Salle d'entraînement, salle de respawn. On va mettre la salle de respawn par là. Je me demande s'il n'y a pas besoin du cimetière avec, pas loin. Donc on va... on va le mettre par ici. Avec la prison, on prévoit... Je détruirai cette terre. Alors, j'ai dit ici plutôt... Les rouvres quand ils morts sont gardés au frais. Ouais. C'est quoi? C'est 3 par 3, donc ça rentre. Ce serait bien d'agrandir ici. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, comme ça. Là pour la prison, ça fait pas assez. Bah, la prison, on va la mettre en face. Hein. Ou la prison de ce côté, le cimetière en face. Je ne sais pas trop. T'inquiète, je sais pas. Là, il faut que qui travaille dedans. Ouais, il me faut une banshee ici qui puisse travailler. Du coup, la banshee qui travaille, c'est bien que ce soit à côté de la well d'or. Parce que oui, ici, c'est prévu d'ouvrir. Donc, du coup, si la banshee travaille ici, elle a le droit à ça. Et c'est où? C'est là. On a dit une banshee. Une nugget plus. Qu'on fait sortir juste là. Comme ça, ça fera une naga par... comment ça s'appelle? Une naga par orc et une pour l'ogre. Non. Voilà, pas dans le passage. Voilà. Ah bah, y en a encore un qui a péri d'orque. Mais j'ai la salle. Du coup, est-ce qu'il est ramené ici tout seul ou pas? Est-ce que... On dirait. C'est bon. Ok, ça me va. La banshee a son lieu de vie. J'ai dit qu'une prison, ça serait cool aussi. Ok, j'ai pas de quoi faire plus. Ça va peut-être être une petite prison.
va grandir au moins un peu comme ça. Même si je sais que pour la prison, ça, ça sert pas à grand chose d'agrandir le... Enfin, d'avoir une zone trouée, bizarre, comme ça. Mais on ne joue pas à Dungeons pour être optimal. Quoique, ça fait quand même une case de plus. 4, 5, 6. Donc un prisonnier de plus. Logiquement. Qu'est-ce qu'il lui faut pour travailler patient 0 sur 9? Ok. Il est où lui alors? D'accord, il s'est fait réanimer, il est là. Très bien. On va peut-être pouvoir lui donner la première bière. On va se mettre là, vu qu'il avance. Par ici. Comme ça, la naga pourra, pendant la cinématique, continuer à le soigner. Go. Ok, Ogre. Vous avez eu votre bière. Maintenant, il est temps... Une seconde. Où est passée la bière? Vous avez déjà tout. Et où est-ce que vous croyez aller? Restez là! Il y a une ville à attaquer! Pierre, donnez faim à Ogre! Ogre, besoin manger apéritif! L'ogre se dirigeait avec avidité vers une petite ferme des environs. On pouvait y entendre des moutons bêler joyeusement. Mais rapidement, les bêlements virèrent à la panique. Du coup, vu qu'on recommence la mission, on va espérer... on va essayer de faire gaffe à ses PV, quoi. Pas qu'il dépasse... combien ? Qu'il perde plus d'un quart de ses PV. Un ogre ! Fuyez ! C'est pas Shrek ! Fuyez ! Ah bon, c'est pas Shrek humain ? Il ressemble pourtant. J'ai reconnu le postérieur. Tac tac. Non, j'ai rien de faire à faire en plus. Tellement l'impression que qu'il ne réussit pas à se faire soigner tellement il a de PV celui-ci. Parce que quand je compare l'ogre à mes orques, ils ont que 1900 au lieu de 12 000. Bon mouton. L'ogre décima le troupeau de moutons au lieu d'attaquer Hivernet. Talia ne parvenait pas à contrôler le monstre au plus grand des plaisirs du mâle impatient. Quoi? Cet imbécile se laisse distraire par quelques moutons et ça devient mon problème? Parce que moi, je suis seulement la voix qui donne des conseils, pas le généralissime du mal. Quoi qu'il en soit, il y avait non loin de là une ville qu'on pouvait soumettre au mal. En attendant. Très bien. Occupons-nous de ça. Au boulot! Tordez-leur les bras, mettez de la peinture dans leurs yeux! Ogre! Plein! Oh! Mais combien en avez-vous mangé, espèce de morphale? Un mouton. Deux moutons. Trois moutons. Quatre. Oups. Oh non, mais c'est pas possible. Et voilà qu'il fait une sieste. Incroyable. Mes petits-enfants seront devenus narrateurs à ma place avant qu'ils ne se décident à attaquer la ville. Enfin, les ogres étant des alcooliques notoires, on pouvait espérer qu'une ou deux dizaines de bières pourraient le réveiller. Avec un grognement désespéré, le mâle se remit au travail. Ok, je n'ai pas assez d'alcool. Défendez le cœur de donjon. Chi qui va mourir instantanément. Ouais, il est là.
Lui, il s'en fiche. Le cœur de donjon. Il dort. Se fait attaquer. En tout cas, c'est très bien que j'ai le cœur de donjon. Ah non, j'ai pas encore de succube avec des. J'aurais des prisonniers. J'aurais bien voulu transformer les héros pour qu'ils deviennent à moi. Mais bon. Tac. On peut peut-être essayer de viser ça du coup. 3 et 4. Ouais non. On va d'abord viser la salle d'entraînement quoi qu'il arrive. $250, $500. Ok. Très bien. Il me faut 350, j'avais oublié. Tac, une autre NECA. Ces jours de paix. Tac. Le mâle avait produit de nombreux tonneaux de bière, suffisamment pour garder heureux plusieurs orques pendant des jours. Il fallait espérer qu'un ogre seul pourrait s'en contenter. Je vais faire des zones pour que mes grottes de bricoleurs et ateliers pour que les grouillots et tout cela, tout ce beau monde travaille. Très bien, ils ont juste eu un peu de bière et pas eu à creuser un peu. J'espère qu'ils seront sensiblement plus rapides. Alors, j'ai déjà mis la grotte du bricoleur. C'est l'atelier ici avec machin automate. Au moins pour pouvoir faire quelques portes. Je me souvenais pas qu'elles étaient aussi belles les boîtes à outils. Je pensais que c'était juste des caisses. Enfin, je me souvenais plutôt que c'était juste des caisses. Comme ça, quoi. Alors que là, ça ressemblait à des belles boîtes. Dans votre donjon. Avec une fermeture et tout. Tac. Naga. Oh, il y en avait déjà une. Toi. Non. Oui. J'espère avoir quelques archers et, si possible aussi, quelques zombies.
Ah, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, je les avais pas vus. Ok, peut y aller. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Évidemment, je peux faire plein de choses, mais... Ok, on va attendre. Combien tu peux stocker de boîtes à outils? 30, c'est pas mal. On va dire que, que ça sera suffisant. On va surtout espérer. Attendez, si j'y vais. Il va faire ça, il va remonter là, il va aller jusque là. Ça fait beaucoup. Bonus de dégâts épique. Oh, c'est intéressant. La salle d'entraînement. Non, il coûte 500 de. 250, 500, plus 350, juste pour pouvoir convertir certains héros en héros du mal. C'est trop pour le moment. Il y a combien d'or encore ici? 4500, c'est pas des masses. Plus vite à creuser les couloirs. J'aimerais bien trouver le filon infini. Là, il y a un filon. 15 000, ok, c'est pas celui que je cherche, mais c'est un bon début. Jour de paix. Couillot ont découvert une salle. Où ça? Ici, ok, une salle pas très utile. Pour le moment en tout cas. Ça me rapporte un peu de bière, mais. Je n'en ai pas besoin. Atelier, tac, tac. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Mais non, tu t'en fiches de la bière. T'es pas comme ça, hein, mon petit ogre. Ok, j'avais pas vu qu'il fallait ça aussi. Allez hop, tout le monde. On vient là, on espère ne pas se faire trop attaquer. D'ailleurs, ouais, le portail il est bien.
Sauf que... Ok, c'est bon, il est là. Ok, c'est bon. Je repère mes touches, comme je vous l'avais dit. Ok... Oui, ici. Ok, et il me faut une zone pour qu'il s'entraîne. Une fois de plus, on livra à l'ogre une quantité absurde de bière qu'il avala en quelques secondes. Ok, ça suffira comme ça. Il est temps de se mettre à bouger, mon gros. Il est temps de raser Hivernais. Ok, mais ogre un peu rouillé. Ogre, besoin échauffement. Peut-être adversaire dans forêt. Adversaire bien pour échauffement. Adversaire de forêt, peut-être aussi brûlé pour réchauffer plus tard. Attendez, où allez-vous? Mais la cité est par... Non, revenez par ici, imbécile. Et c'est ainsi que les armées du mal suivirent l'ogre, loin d'Hivernais. C'est des aventuriers qui viennent m'attaquer, ça? Hey, ses adversaires massacrés. Excusez-moi. Très bien. Ils les ont mis loin. Bon, de toute façon, maintenant, je ressuscite mes créatures, donc normalement, il devrait pas y avoir trop de soucis. J'insiste bien sur le pas trop. Tac, salle d'entraînement. Si jamais ils sont respawn, ils pourront s'entraîner. Et c'est qu'ils étaient pas assez forts. Le temps de les ramener au combat. Une seule naga qui veut le soigner. Je suis la reine du mal. Un, deux, trois, quatre, cinq. Eh ben, j'ai l'impression que si je fais ça, il y en aura un de plus. Mais là, il n'y en aura pas en plus ou pas facilement. Pourquoi on... Ils ont des têtes de grouillots ou de... Comment ça s'appelle? Ogre et... De gobelins. Plutôt de grouillots en fait. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est jour de fête. Bonus d'armure, c'est très bien pour toi. Et vous, je vous ai un peu oublié. Il vient de perdre... Moins, il vient d'avoir moins de 9000 PV. Je pense que la mission est foirée juste pour ça. C'est dommage. Mais bon. Le but de la mission, c'est de pas être facile. Ouais. Aïe. Thank you.
J'aimerais bien rajouter juste un dans la longueur là. L'ogre s'élança sans réfléchir et emprunta le chemin de gauche. Le mâle se demanda ce qu'il y avait sur le chemin de droite. Devait-il l'explorer? Pour sa part, l'ogre fonçait sur sa lancée. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un démon machin. Vrais adversaires! Boum boum oui et boum pour vous! Pas moi! L'ogre avait découvert un adversaire de valeur pour son échauffement. Le combat débuta. Bon combat! Mais ogre fatigué maintenant. Petite sieste, ensuite rasez-vous. C'est bien. Encore! Encore! Ça ne finira jamais! Alors que les petits yeux de l'ogre se fermaient et qu'il sombrait joyeusement dans le sommeil, un important groupe d'aventuriers quitta Hivernais. Ils avaient accepté une quête visant à tuer l'ogre. Fichu élément de JDR. Tuer l'ogre? Après tous les efforts qu'on a fait jusqu'ici? Des clous! Caillassez-les! Tapez-les! Faites des nœuds avec leurs lacets! Ok, c'est bon. Comme ça, théoriquement, ils peuvent tous s'entraîner, je l'espère, monter d'un ou deux niveaux. Ou au moins être prêts à monter de niveau. Ici. Oh, c'est pas grave. On peut faire ça. Et puis ça. Il me faudrait une succube que je n'ai pas encore débloquée. C'est fait. Ça non. Enfin, on pourrait. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Si, ça peut peut-être aider pour la mission, justement. Je contrôle l'accession, non. Par contre, la succube. Ogre bobo, soignez. Au secours. Évidemment, j'ai pas fait gaffe. Il a plus que 800 PV quoi, moins qu'un orc. Beaucoup moins que ces orcs bien boostés. Mais il est pas mort, 150. Il est mort. Et ben. N'avait pas surveillé l'ogre, lequel expirait dans son coin. Pour la prise d'Hivernais, c'était râpé. Bon, les derniers essais pour cette vidéo qui sera du coup forcément beaucoup trop longue. Ou alors est-ce que j'upload cette vidéo toute seule et je retente après. L'armée du mal était une nouvelle fois sur les côtes des royaumes de l'Ouest. De l'autre côté de la mer se dressaient les villes presque franches, une agglomération d'une richesse indécente. Avant de marcher sur la capitale, il fallait détruire ces villes afin de couvrir ses arrières. Et pour s'y rendre, il fallait un navire. Encore. Bon allez, on refait un dernier essai. Tac. En fait, voilà, je veux essayer de réserver ces deux zones-là pour des potentiels boulets, si jamais un jour je me développe suffisamment.
Ici, en fait, toute cette zone, quasiment, elle... Elle devient bien une zone de... Comment ça s'appelle? Enfin, je la remplis avec des gens, quoi. Ok. Ici, vous pouvez venir. Ici, vous pouvez venir. Non, on va pas faire ça tout de suite. Voilà, j'espère que ça marchera. Tant qu'on peut au début, on prend des grouillots, ça accélère la vitesse de travail globale. Voilà, tout de suite, dès qu'on n'est pas loin d'un gisement, il faut pas qu'il commence à emmener l'or à l'autre bout de la carte, il faut qu'il... Faut créer la trésorerie comme ça, puisque un gisement est souvent entouré d'or. Du coup, faut pas les laisser prendre l'or par terre, l'emmener loin. Par contre, on peut leur dire d'utiliser l'or aussi. Si je commence à creuser tout de suite, ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de récolter de l'argent. Hop là. Ça me paraît correct. Faire une longue traînée comme ça, ça ne mobilise qu'un seul grouillot, donc c'est pas mal. Le mâle, plus lent qu'un escargot, n'avait pas fait preuve d'une discrétion folle. Il était évident, même pour le plus sourd des héros, que quelque chose s'était installé dans le... Ça change d'une fois sur l'autre, c'est marrant. Les héros étant ce qu'ils sont, un groupe d'aventuriers se mit en route pour piller les trésors du donjon. Ils nous le paieront. Brisez leurs jambes, arrachez-leur les poils du nez. «
tac. Voilà. Un jour de paix. Ennemis se sont introduits dans le donjon. Ça devrait le faire. On va faire une grande prison cette fois. Vous voulez que je vous assomme d'autres connaissances inutiles sur les ogres? Les ogres consomment énormément de bière. Pour faire passer autant de bière, ils ont une vessie surdimensionnée. Ce qui explique pourquoi beaucoup de pompiers sont des ogres. Non, ce n'est pas rassurant. Non, pas du tout. C'est bien, au moins c'est pas exactement la même phrase à chaque fois, parce qu'il y a d'autres missions que j'ai recommencé plusieurs fois. Du mal absolu venait de découvrir une nouvelle salle. C'est stricto copier-coller à chaque fois, c'est un peu relou. Alors, du coup ça va faire une prison immense. Du coup on va mettre la... le cimetière derrière ici. Bon, on va faire comme ça. Et la salle. Les grouillots du mal avaient découvert une salle dans le sous-monde. Encore ? Très bien. Oula. Je suis perdu. Ici. Tac. Le mal triomphera. Faut mieux attendre qu'il se soigne. Hop là. Ici. Les poulets. Je vous ai un peu abandonné. Tac tac. Ici. Du coup, je voulais le faire ici, la pièce. Pour ressusciter. Mais c'est du combien par combien? Crypte, on sait pas tant qu'on l'a pas. 3 par 3. 1, 2, 3. Oui, si je pourrais le mettre là, quoi. Par exemple. Un seul, ça devrait suffire. On dira ça comme ça. Voilà, je crois qu'on a le maximum de grouillots, 14 sur 14. Non, il m'en manque un. Ok. Le bien périra. Et c'est bon.
Oups. Non, bon, tant pis. Le bien périra. D'ailleurs, du coup. Thanos doit mourir. L'armée du mal avait découvert l'homme. Et je suis ogre. À l'évidence, cette créature n'allait pas gagner un concours d'intelligence. Ouais, content. Étiez-vous crabouillé héros du drôle. Et moi, un peu de soif. Avant moi, commencez. Boire un coup. Évidemment, il n'allait pas nous faciliter la tâche. Il allait d'abord falloir livrer une grande quantité de bière à l'ogre pour le convaincre d'aider. En râlant, le mal se mit au travail. Ok, bande de feignasses. Vous avez entendu? On va faire de la bière. Allez, au travail. Je veux que ça sente le houblon et plus l'argile par ici. C'est ça que je veux, ça sent. Ok, on va tout de suite donner ça. Vous avez eu votre bière. La première partie, elle est facile. C'est la deuxième qui nous pose problème. Déjà tout. Et où est-ce que vous croyez aller? Restez là, il y a une ville à attaquer. Bière, donnez faim à Ogre. Ogre, besoin manger apéritif. L'ogre se dirigeait avec avidité vers une petite ferme des environs. On pouvait y entendre des moutons bêler joyeusement, mais rapidement, les bêlements virèrent à la panique. D'ailleurs, à chaque fois, je ne vois pas la transition entre mouton et mouton allongé, et mouton mort. Je vais essayer de faire gaffe, même si ça va pas être exceptionnel, je le sens, ça va être juste, on remplace les sprites de tout le monde en debout par des moutons allongés. Mais... Ah non, l'un après l'autre au moins, ouais. Déjà c'est l'un après l'autre, ils sautent à leur mort. Ok, ça me va, c'est plus sympa que ce que j'espérais. Ce à quoi je m'attendais plutôt. Alors, oui, ça passe, ça on peut, ça on peut, ça on peut pas. Alors ici. Non. Bon mouton. L'ogre décima le troupeau de moutons au lieu d'attaquer Hivernais. Talia ne parvenait pas à contrôler le monstre, au plus grand des plaisirs du mal impatient. Quoi? Cet imbécile se laisse distraire par quelques moutons et ça devient mon problème? Parce que moi, je suis seulement la voix qui donne des conseils, pas le généralissime du mal.
Quoi qu'il en soit, il y avait non loin de là une ville qu'on pouvait soumettre au mal. En attendant. Très bien. Occupons-nous de ça. Au boulot! Tordez-leur les bras, mettez de la peinture dans leurs yeux! Ogre! Plein! Oh! Mais combien en avez-vous mangé, espèce de morphale? Un mouton! Deux moutons! Trois. Trois moutons! Punaise. Quatre! Eh ben. Morphal, il s'endort en comptant le mouton qu'il a mangé déjà. Mais c'est pas possible. Et voilà qu'il fait une sieste. Incroyable. Mes petits-enfants seront devenus narrateurs à ma place avant qu'ils ne se décident à attaquer la ville. Enfin, les ogres étant des alcooliques notoires, on pouvait espérer qu'une ou deux dizaines de bières pourraient le réveiller. Avec un grognement désespéré, le mal se remit au travail. Alors, on ramène tout le monde ici, oui. Parce que on veut vite prendre l'île de Malfaisance. On peut prendre notre temps après, mais avant, pas vraiment. Tac. Et prison. Jour de paix. Ça me va. Oh non, il me manquait quelques cases. Tac, tac. Voilà. Le corps de la roublarde qui se décompose. Où il reste des cases de deux par deux. Tant pis. On peut aller dans l'autre sens. Je crois que oui, je l'avais fait. J'ai oublié encore. J'avais dit qu'on n'avait pas besoin de se reposer avant. Juste le temps qu'il se soigne, mais je suis resté plus que ça. Impossible de se relève. De toute façon, faut attendre le niveau 4, c'est pas pour tout de suite. Là, il faut 500, là, il faut 100. Et ça, ça va prendre pas mal aussi. Oh, quoique, ça va. Ça reste raisonnable. On rentre à la maison. Hein. Il n'y a plus grand chose à faire dehors. En attendant. Donc ici, avant de ramener l'or à l'autre bout du monde, si
possible. Vous transformez les trois cases que vous avez minées en cases de trésorerie. Voilà. Ça a l'air bon. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Bien fait de mettre les zombies derrière, ils ont attiré le canon du canonnier. Très bien. Ah. On peut faire ça en fait. Alors, une arène. Et l'arène, je l'avais construite, construite par ici. Qu'est-ce que vous pouvez construire? Non, c'est pas le bon, la bonne touche. Voilà. C'est jour de paix. Ensuite, il faut que les prisonniers et les zombies se régènent bien. Si possible, respawn les gens rapidement. Pas qu'ils nous piquent de l'or. Ici, il ne devrait pas y avoir de soucis. Le mal ne perdit pas de temps pour livrer la bière à l'ogre. Ça, c'est un mytho. Soit là, soit ce qu'on a. Je vais plutôt le faire ici, ça sera un peu décalé. Il peut y avoir 8 combattants, 9 combattants à la fois, 9. J'ai une armée de 7. Ça me paraît donc bien. Ok, ce que je voulais, ça c'est utile aussi. 5, 200. 450 pour atteindre ici. Et ça ferait une meilleure défense le temps après. Parce que là, il me faut 100,
Il me fallait 500, je crois. Voire plus pour faire tout ça. En même temps, les démons, c'est cool. Les succubes, moi j'aime ça. J'aime bien. Les ennemis se sont introduits dans le donjon. Tac. Non. Je peux faire un démon, mais c'est pas une succube. Tac. Alors, vu que je peux faire un démon, je vais leur faire leur lit, leur atrium. Ah, il m'en faut. Du coup. Des prisonniers se font libérer de votre donjon. Ah! Ogre, très très triste. Donnez ogre, pierre. Mais non, tu dors. Tu fais ta sieste après avoir compté tes moutons. Du coup, la prison juste à côté de l'entrée, c'est bien pour les archers, mais c'est pas une si bonne idée que ça dès qu'il y a un groupe qui arrive. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux, ça et ça. Bon, je peux pas l'avoir pour le moment. Donc, je la recrute quand même. Salle d'entraînement. Je sais pas si elle peut s'entraîner en fait ou si c'est que les... Elle a l'air de pouvoir. Hein. Si c'est... Ah non, oui, non. Non, c'était ça, oui. Dans l'arène, vos créatures peuvent s'entraîner et gagner des points d'expérience contre de l'or. La horde s'entraîne gratuitement. Donc oui, toutes mes autres créatures s'entraînent gratuitement et elle a besoin de sous pour s'entraîner. C'était bien ça. Ouais, 5 d'or pour 5 d'XP. C'est pas forcément ouf, mais bon. Si c'est ça qu'ils appellent un entraînement, j'ai hâte de le voir dans un vrai combat. J'ai essayé de faire la voix de l'ogre, c'était peut-être pas ouf. Hop là. Ouais, déjà, elle est presque mise de monter d'un niveau juste comme ça. Ce qui est plutôt bien. Elle a son chez elle. C'est pas urgentissime. Ça, c'est quand même 350. Et il me faut 8 boîtes à outils sinon. Ah oui, et là on a diminué la taille vu qu'il y a deux. Ok. Ah bah tiens, vous allez faire ça. Jour de paix. Bien, mais c'est trop tard. Parce que là, je vais avoir envie de tout agrandir pour récupérer tout l'or. Et voilà, on a augmenté la capacité et la vitesse de production. C'est exactement ce que je voulais. Ça. Maintenant.
temps de passer niveau 2. Et il me faut une porte ici aussi. Voilà. Voilà. À partir de maintenant, je vais peut-être prendre une deuxième succube. Tac, succube, c'est ici qu'on récolte, qu'on engraine. Trois par trois, automatique. 1, 2, 3. Ok, il manque. Je pense qu'il manque une longueur comme ça. Quatre. Je peux pas plus grand, mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au moins faire un deuxième comme ça. Faut même 4, 5, 6. Voilà. Ah oui, ici c'est exclu. Non. Bon allez. On sort. De plus, on livra à l'ogre une quantité absurde de pierres qu'il avala en quelques secondes. Ok, ça suffira comme ça. Il est temps de se mettre à bouger, mon gros. Il est temps de raser Hivernais. Ok, mais... Ogre un peu rouillé. Ogre, besoin échauffement. Peut-être adversaire dans forêt. Adversaire bien pour échauffement. Adversaire de forêt peut-être aussi brûlé pour réchauffer plus tard. Mer des vers, super. Attendez, où allez-vous ? Mais la cité est par... Non, revenez par ici, imbécile. Et c'est ainsi que les armées du mal suivirent l'ogre, loin d'Hivernay. À la base, je voulais faire une salle de recherche ici, mais vu qu'il y a encore un filon. Ah d'accord, super. Pas grand chose. Je veux la tête de Thanos. C'est bon toi? Ah non, il te manque un niveau encore. Ok. Les catastrophes dans le donjon. Ils sont là. Jour de paix. Ouais.
Au secours, je pense avoir reperdu. En plus. J'ai quoi comme sort du coup? Production, plus de météores. Plus de météores, ça me paraît bien dans le donjon là. Est-ce que lui, il se fait booster par ça? Des héros libèrent des prisonniers de votre donjon. J'ai plus un seul... une seule créature vivante, d'accord. Tout se passe pour le mieux. Te voilà. S'élança sans réfléchir et emprunta le chemin de gauche. Le mâle se demanda ce qu'il faisait sur le chemin de droite. Devait-il l'explorer? Je pensais qu'il était mort ce truc. Fonçait sur sa lancée. Oui, mais non, mais non. Toi, c'est bon, tu respawns des gens ou pas? De valeur pour son échauffement. Le combat débuta. Voilà. Bon combat. Alors. Mais ogre fatigué maintenant. Petite sieste. Ensuite, rasez-vous. Tac, tac. Encore. Tac. Encore. Ça ne finira jamais. Alors que les petits yeux de l'ogre se fermaient et qu'il sombrait joyeusement dans le sommeil, un important groupe d'aventuriers quitta Hivernais. Ils avaient accepté une quête visant à tuer l'ogre. Fichu élément de JDR. Tuer l'ogre? Après tous les efforts qu'on a fait jusqu'ici. Des clous, caillassez-les, tapez-les, faites des nœuds avec leurs lacets. Quoi, non? Oh là là, encore perdu, c'est pas possible. Dans le donjon. Oh bah oui, parce que j'ai de quoi m'en occuper. Alors, toi,
laissé Talia mourir, mais elle pourrait être ressuscitée. Moyennant paiement, le mal qui avait l'habitude. Et voilà. Encore perdu. Lequel expirait dans son coin. Bon. Pour la prise d'hivernée, c'était râpé. Ça fait 2 heures de vidéo pour 3 tentatives échouées. Je pense qu'on peut s'en arrêter là. Et considérer que c'est un échec. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré tout. Et du coup, la prochaine fois, il faudra le refaire en live parce que. Parce que pour une fois, c'est un niveau qui. Où j'ai des difficultés, donc je pense que c'est le plus intéressant à faire, en tout cas, peut-être pas à regarder, je ne sais pas, je vous laisse juge de cela. Bref, sur ce, à bientôt.